j'ai fait une journée de travail, je suis KO, j'ai juste envie de dormir. Écoute-moi bien. T'as vu si celle-là, tu me la rends pas? T'as vu? Je vais tirer un truc. Ouh là là, ne me parle plus. La tête de ma mère. Parce que la tête de ma mère, il y a pas quelqu'un qui a plus cru en toi que moi. La tête de ma mère, si tu rends à une autre, je l'égorge. Je l'égorge l'autre. Franchement, t'aurais pu tout me faire. T'aurais pu quand même me la faire un 6, quoi. Comme des heures sup, là, ça. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma soeur d'une autre mère, Fatma. Avant de commencer la vidéo, je dois vous parler d'un bon plan dont je vous ai souvent parlé donc sur Instagram et sur plusieurs de mes vidéos YouTube. Je dois avouer que franchement, ça m'a grave convaincue. C'est l'application Letyshop. Moi, vous savez que la plupart de mes achats, je les effectue tous en passant par cette application. L'argent que tu dépenses, bah, en fait, tu vas être remboursé d'une partie de ta commande. Et ça qui est trop bien, en fait. Ça te permet de faire grave des économies sur ce que tu achètes puisque tu récupères toujours de l'argent sur ce que tu as dépensé. Donc, c'est grave bien. C'est comme s'il y avait des soldes tous les jours, en fait. Ils ont des bêtes de taux de cashback à jusqu'à 35%. Et franchement, ça vaut grave, grave. Grave le coup, surtout qu'ils ont des vrais sites partenaires, mais vraiment ils ont AliExpress, ils ont Courir, JD, Asos, il y a Shein, il y en a vraiment, vraiment beaucoup des sites partenaires. Et dites-vous que l'application elle est totalement gratuite à installer sur l'ordinateur, c'est une extension, c'est totalement gratuit. Et dès que vous effectuez vos achats avec cette extension sur votre ordinateur ou par l'application, vous récupérez une partie de l'argent que vous avez dépensé. Donc c'est le principe du cashback, et ça c'est vraiment, vraiment trop bien parce que à la fin, des petites sommes accumulées, t'as un vrai budget pour le redépenser dans autre chose ou pour faire tout ce que tu veux avec. Et franchement, c'est grave pas négligeable, genre vraiment vraiment, soyez pas des flemmards. Ça prend 2 secondes de télécharger l'application, en plus ça te permet de faire des économies, c'est totalement gratuit, genre la vérité, je vois pas ce qui peut t'empêcher de le faire. Non mais en vrai c'est vrai, non? T'as vu là, la vérité, tu t'en as parlé plein de fois, je l'ai jamais fait, mais là quand on t'en a parlé là en direct, tu te vois, ça m'a grave motivé à le faire. C'est grave dur, surtout qu'en ce moment je suis dans la haisse. Alors il y a Shein aussi. Ouais, il y a Shein, parce que là j'allais faire une commande Shein. Mmh. Et ben tu sais quoi, je vais l'utiliser, je vais le faire. Et c'est super rapide à faire. Grave rapide. Mais tu télécharges l'application, c'est en 2-2. C'est en 2-2. Tu commandes sur l'ordi ou non? Parce sur que les trucs de cashback, ils aiment bien mettre grave des étapes qui te démotivent. Non, moi, c'est en 2-2. Je le fais. Non, non, c'est en 2-2. Si tu fais avec ton téléphone, tu télécharges l'application. Direct quand t'arrives, bah, je vais vous mettre un enregistrement d'écran ici. En fait, directement quand t'arrives dans l'application Letyshop, t'as tous les sites partenaires, en fait. T'as tout, tout, tout. Et c'est classé par catégorie. Genre, par exemple, tu vas avoir mode, beauté, soins, etc. Donc, ça dépend de ce que tu veux. Par exemple, tu veux une paire, bah, tu vas aller chez Courir. Tu te retrouves direct sur le site Courir. Mais, vu que t'es passé par l'application, eh ben, tu vas récupérer une partie de ta commande. Franchement, c'est trop, trop pratique. Bref, et sans plus tarder, on commence avec la vidéo. Je présente. En vrai, Fatma, plus la peine de la présenter, hein. Je crois que vous la connaissez déjà. Là, je vous explique le thème de la vidéo. C'est Fatma fait mon shopping. Donc en gros, elle a fait une commande sur Asos. Je sais pas ce qu'elle a pris. On va voir si elle me connaît vraiment, si elle connaît vraiment bien mes goûts. Donc j'espère que... Attends, j'arrive, je mets mieux. J'espère qu'elle a fait ça bien. J'espère qu'elle a pris des trucs que je kiffe. On va voir vraiment si elle a géré, si elle connaît vraiment sa pote avec qui elle a passé 1 mois et demi, 2 mois collés. D'ailleurs, croyez pas, hein. On s'est grave embrouillé, hein. Mais on fera la vidéo où on explique le voyage, on vous parlera de ça parce que elle croyait pas, c'est tout beau tout rose de partir avec sa copine, hein. C'est beaucoup d'embrouilles aussi, hein. On a bien rigolé quand même dans l'ensemble. Là, elle se fait belle pour vous, elle est en train de mettre bien son voile. Parce que moi, je ne fais même pas. Moi, je prends trop la confiance, je m'en fous maintenant. Demain, il y a l'anniversaire de Farah. On est le lendemain et je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire le try-on dans la vidéo avec Farah et en fait, avec Fatma, pardon. Et bah, du coup, en fait, je vais le faire maintenant. Donc là, je rentre de l'anniversaire de Farah. Donc, je me suis habillée comme ça, tranquille, à la cool. Et bah, du coup, je vais faire le try-on. Donc, je vais superposer des moments de la vidéo pour bah, vous montrer comment les vêtements me vont porter. Bref, je discute pas plus. On reprend la vidéo. Faut qu'on soit belle apparemment. Franchement, je sais pas comment on va faire. Fatma, elle me dit je veux mettre mes dunks jaunes. Alors que je sais pas si t'as compris. Eh, Farah veut qu'on mette des talons et tout, hein. Oui, mais Farah, vu que je suis toujours en schlac, quand elle va me voir déjà à peu près bien, elle va être contente de moi. Ouais, je pense aussi, je pense. Farah m'en demande pas beaucoup à moi, tu vois. Ouais, mais... Bref, Fatma, ça va? Ça va. Des bons trucs, hein. Oui, j'ai sûr le mot. Au pire, je rentre avec, c'est pas grave. Au pire, c'est pour moi. Bon. Ok, vas-y. On va pas parler plus longtemps, vas-y, on commence, vas-y. Moi, j'ai fait les vacances avec Sophia. J'ai vu la valise de vacances à Sophia, vous voyez. Donc, je sais que Sophia, elle s'habille pareil pour toutes les saisons de l'année. D'accord. Il n'y a pas une garde-robe pour chaque saison. C'est une garde-robe qui fait toutes les saisons de l'année, d'accord. Donc c'est grave vrai. Approximativement que des pulls et des manteaux, comme vous voyez derrière. Donc, je t'ai pris que ça. Surtout que je te prépare l'hiver, de toute façon, là, on est en hiver, on est en été. Ah ouais, voilà, c'est le mois de juillet. Ce mois de juillet, c'est un fail total. J'ai commencé avec un premier.
C'est un pull marron, je kiffe. Mais moi, j'aime trop, les gars. Il est grave. Ouais, de ouf. Bah, dommage, parce que si je n'aime pas, je suis en pli. Tu vois, comme ça. Ah, j'aime trop. Je sais que t'aimes bien. En plus, il est large, je sais que j'aime bien les trucs. Ouais, en plus, t'as vu, t'en as un, c'est pareil. Genre, celui de Primark, t'en as un gris même. Il y a oui marqué Copenhague dessus. Ouais, il est trop beau, genre. Voilà, j'ai pris ça. Je pense que ça, à ça va. Collusion. D'ailleurs, t'es forte parce que Collusion, c'est ma marque à sauce. Ah, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Vu que j'étais dans ma lancée, je me suis dit. Pourquoi pas une couleur d'été? Ah, il est trop beau! On est en hiver, mais qu'une couleur d'été, tu vois. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'aimes bien? J'avoue. Tu kiffes? Bah ouais, j'ai des goûts. À chaque fois, genre qu'elle va montrer les articles, je mettrai quelque part sur l'écran le try on, genre en mode comment ça me va sur moi, genre. Voilà. Ça sera quand tu, voilà, sera tu vois. Parce que je sais que tu t'habilles en hiver, mais il faut quand même s'habiller en hiver avec des couleurs d'été quand même. Ouais, j'avoue. Voilà. C'est quand même, on s'habille en été avec des pulls d'hiver, mais on met des couleurs d'été. On essaye d'être estival. Moi, quand elle est partie avec moi au Mexique et quand elle a fait sa valise, moi j'ai rigolé. Hein. J'ai dit, écoute-moi, je te laisse être naïve, prends tes pulls, prends tes manteaux, tu verras. Bah à la fin les amis, ouais, ça le mytho. Ouais, c'est bon, c'est bon, ami. Une journée le manteau, tu vas pas me une journée, tu vas pas me remettre pour tout le voyage. Ouais, je compare pas. Donc, je vous montre vraiment la couleur, elle est magnifique et le pull est magnifique. Par contre, à ton avis, je mets quoi comme voile avec? Bah, il est bien le beige déjà que ça. Avec ça? Le beige. Et je mets quoi comme genre comme paire? C'est ça que je me demande. Bah tu retournes et puis tu vois que toutes les paires. Je trouve que genre je sais pas avec quelle paire mettre ça, genre franchement il est trop beau. Je sais pas comment je vais le mettre, mais je vais le mettre. Les deux pulls. Je suis contente que t'aies pris les mêmes parce que franchement je les trouve grave beau. C'est bien. Bah je continue encore sur Collusion avec celui-là. J'aime trop le kaki, tu vois. C'est ma couleur. Ouais, c'est vrai, c'est ma couleur préférée. Encore large, pareil. Mais je t'ai pris du M, alors je sais pas si ça va t'aller le M, quoi. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que je pense que j'ai un peu pris mes tailles comme ça, ça ne va pas, je m'apprends. J'aime bien que ça soit un peu genre, comment on dit, genre un peu effet recousu, genre. Moi, il y a du beige. Non, moi, j'aime trop le code couleur. Et j'ai vu que je m'as pris un truc qui va avec. Je me suis dit, pourquoi pas prendre celui-là? Parce qu'on prend toujours des jeans. Pourquoi pas prendre un truc vert kaki? Il est trop beau. Qui irait bien avec ça, tu vois, ça fait un ensemble avec tes petits Air Jordan. Et tout. Il est trop beau, wesh. Je connais tes goûts, attends, un minimum. Avec les Clément, avec ça, comment ça va faire grave bien. Des années d'amitié quand même, faut que je te connaisse, hein. Je suis un chouïa. Voilà, Collusion encore. Collusion, c'est vraiment sa marque, elle la kiffe. Je me regarde, pareil, recousu et tout. Ah non, non mais j'aime trop ce pantalon. Maintenant, c'est la mode. Regardez les détails. C'est trop beau. Ah, mais regardez, je sais rien à quoi là. Je sais que. Bref, en fait, j'aime bien ce truc, mais je me demande à quoi ça sert juste. Ça, là, le truc qu'il y a derrière, ça sert à quoi en fait ça? C'est pour qu'on m'attrape par le pantalon? Ton père, quand tu l'énerves, il t'attrape par là. Ah ouais, il m'attrape par là, ok. Après, sinon... toi, ça se verra pas ça, mais je pense que c'est pour le style. Il m'a l'air long, mais au pire, je le coupe. C'est pas grave. Il est vraiment trop beau. Attends, avec ça. Ah non, mais en fait, de toute façon, je vais tout essayer. Je vais vous montrer. Moi, je te connais par cœur. Je connais tes goûts. Je sais ce qui va. C'est un ensemble, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. On enchaîne. Je connais ma copine quand même. Viens. J'ai pris aussi celui-là parce que moi, je pense qu'elle peut aussi le mettre avec celui-là. Mais du coup, tu veux qu'on rentre à deux dedans? Je pense que ça me va. Bah, quand même, c'est. En vrai, j'avoue, je parle, mais je sais pas, ça se trouve, il va. C'est du 24-30. J'avoue, il va bien m'aller, j'espère. Made in Turkey en plus, tu vois. Moi, je l'aime bien. J'avoue, il est grave beau. Il est grave beau, c'est une belle couleur. Elle va été comme hiver, comme automne, comme. Bah, de toute façon, toi, t'es multi-saison. Mmh. En plus, j'ai pris ça avec, tu vois. Ah. J'ai pris ça avec. J'étais dans ma lancée. Et tu fous de ma gueule? Bah, non, pourquoi? Regarde. Tu vois, c'est beau, ça. T'aimes pas? Et tu veux que je le mette avec quoi? Avec une petite chemise, genre tu mets une chemise, tu mets ça dessus. T'aimes pas? Mais tu te fous de ma gueule, Fatma. Non, je suis sérieuse. Genre je mets une chemise et je mets ça par-dessus. Ou alors je mets pas de chemise, je mets rien. Un jean taille haute, je mets ça au calme. Ouais, et puis après tu montes ça à ton père et puis tu sors. Voilà. Ça s'appelle bien, ouais. Comme ça, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. C'est vrai? Ouais. T'es ma styliste, t'es ma akram à moi en fait. Après, ça, je suis moins sûre, tu vois. Je suis un peu moins sûre, je te cache pas. Je pense que ça, tu peux rentrer avec par exemple. Tu peux rentrer avec? Ça, oui. Je pense que Tessine, elle va le mettre, tu vois. Elle sera contente, Tessine, de l'avoir. Ok, ensuite. Et, j'ai fait un peu une fantaisie clownesque. Je lui ai pris ça. Ah, ça, c'est pour aller avec tes dunks. C'est pour comme ça, quand je rentre dans un resto, on voit que moi, tu vois. Je veux pas qu'on voit les autres. Non, mais après, tu vois comme ça et tout, mais faut l'habiller. Oui, ça fait peur comme ça, mais ça, faut l'habiller. Moi, j'aime bien les couleurs en vrai.
Ah, tu me connais bien. Bien sûr, je te connais. Je lui ai demandé de me faire des paniers plus souvent. Voilà. J'ai oublié, j'avais pris 4 articles. Mais en fait, vu qu'ils étaient indisponibles, j'ai pas pu le prendre. De base, j'avais pris 10 articles. Mais au final, quand j'ai voulu valider le panier, bah, il y en avait 4 indisponibles. Donc, je les ai pas pris. Mais je vais te les montrer et puis tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, j'ai grave le seum. Si c'est à la hauteur de ce que tu m'as montré, je vais être frustrée, genre vraiment. Je vais te prendre ça là, tu vois. Cette chemise, de toute façon, elle va tout vous montrer. Ah, mais attends, j'ai capté. Ah, donc en fait, genre, il n'y avait pas la chemise, mais il y avait le bandeau, genre. En fait, le bandeau, il se mettait en dessous de la chemise de base. Ah, et moi, j'ai une gueule à mettre des bandeaux avec une chemise ouverte, genre. Ah, genre, ils m'ont pas envoyé la chemise, ils m'ont envoyé le bandeau. Ah, j'ai la haine. La chemise, elle était grave belle. Pour le coup, vraiment, là, j'allais kiffer, je l'aurais grave mise. Papa, viens voir. Non, mais viens voir, je te montre un truc. Regarde ce qu'elle m'a pris, Fatma. Marrant, c'est ce que là. Elle m'a pris ça. C'est en affaire ou c'est intime? Non. Ça se met sur, en fait, ça se met sur les habits, genre. Sur les habits? Ouais, par rapport sur une chemise. Tu me la rends complètement folle, toi, toi. Toi qui te délègues pour me la raisonner, tu veux mettre ça maintenant? Ça au-dessus des vêtements. Ça, soi-disant. Je suis tu le mets comme ça. Ouais, le mettre comme ça. Ouais, ça veut dire qu'après, bon, tu mets une camisole, tu vas à l'asile psychiatrique. Je t'ai pris ce blazer, un blazer rose crabeau qu'elle va vous montrer. Je vais voir s'il est, en simili. Bah oui, crabeau en simili, avec le bas. Oh là là, et en plus moi j'aime trop les ensembles roses, genre vous avez vu ce sweat. À chaque fois je le mets avec le pantalon rose là. Je mets tout le temps ce sweat là avec le pantalon rose, je trouve que ça va trop bien ensemble. Là tu m'aurais fait trop plaisir, wesh. L'ensemble rose en plus simili cuir, comment ça aurait fait trop bien. Je suis dégoûtée. D'ailleurs, tous les liens des articles qu'elle m'a sélectionnés, je vous les mettrai en barre d'infos. Et après le dernier c'est ça, tu sais la chemise en mode Hawaii, tu vois. C'est un blazer, non? Ah oui, blazer. Ah il est trop beau. Oh, c'est tellement mon style. Vraiment out of stock, genre. Là les 4 articles qu'elle allait me prendre, ils m'auraient refait mon été. Mais là les autres ça va, ils sont en stock, c'est juste le blazer. Mais attends, la chemise elle est out of stock? Non. Bah pourquoi ça a pas marché? Je sais pas, peut-être qu'ils ont remis du stock, peut-être qu'au début il n'y avait pas de stock. Trop bizarre, vraiment trop bizarre, genre je comprends archi pas. Au lieu de recevoir la chemise, j'ai reçu ça. Ok, si, c'est trop bien. En fait, de base, j'ai voulu la chemise, mais ils m'ont envoyé ça. Donc, on a rigolé, on l'a mis. C'est pour rigoler, hein. Elle va pas le mettre, hein, ne croyez pas. Elle va pas le mettre. Oh, une voile, mais les non-voiles, elle était, monsieur. Par contre, je te cache pas, je pense que je vais l'essayer tout à l'heure entre moi et moi-même pour voir ça ferait quoi. Non, parce qu'en fait, il y avait ça. Mais en fait, tu vois, tu mets ça et en fait, après, par-dessus, tu mets la chemise avec le même motif. Genre, ouais, j'ai capté. Le même truc. Vraiment, ça faisait beau sur le mannequin, tu vois. Donc, j'avais pris les deux. Mais nous envoyer que ça. Et que du collusion. Non, mais en fait, j'aime trop. De toute façon, c'est ma marque préférée. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Bref, elle, c'est une meuf. Tu mets même pas mon Insta, je te le dis direct. D'accord. Non, mais elle, c'est une meuf de l'ombre. En fait, c'est vraiment un automatisme. Je sais pas pourquoi j'ai ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram que je vous mettrai juste là. Tu sais que les gens, ils te kiffent de ouf, genre. Franchement, j'ai des copines. À chaque fois, je les partage sur Insta, je mets leurs photos. La vérité, elle, quand je la partage, elle tape des 1000 j'aime. Alors que, wesh, mais c'est vrai, bon, là, c'est vrai. Même, arrête, wesh. Elle, 700 abonnés comme ça, genre. Mais arrête. Arrête de dire ça comme ça. Non, mais voilà, je la kiffe de ouf, genre. C'est comme mon père, elle, je vais partir, je vais la laisser. Elle sur la chaîne, en fait, tellement vous la kiffez, genre. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner aussi, important. Mot de la fin, qu'est-ce que t'as à dire? Les articles, ils sont plus. Ils m'ont grave plus. Ah, je suis vraiment une bonne amie, je connais vraiment tes goûts. Ah oui, si un jour vous me faites percer, la première que je vais faire croquer, c'est elle. Tu vois, je suis obligée, sinon elle a dit qu'elle allait me tuer. En fait, de base, ça devait être ma soeur. Après, au final, elle a pas pu, donc c'est elle qui a fait la sélection. Et voilà, bref. De toute façon, elle, c'est ma soeur d'une autre mère, donc ça marche quand même. Dis à qui eux, en gros, dis-leur qu'ils s'abonnent à moi. Et après, c'est toi qui dis, ouais, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Oh là là, c'est ça, mais j'ai honte de dire ça. Mais personne, ouais. Mais c'est pas ça, mais moi, je suis gênée, en fait, j'arrive pas à parler de caméra. Ouais, mais moi, avant, j'étais pareil, je te jure. Avant, j'étais pareil, j'étais comme ça, genre. Ouais, c'est vrai, c'est grave. J'arrive pas, genre, faut être grave à l'aise. Mais en fait, quand tu comprends... Faut être à l'aise, faut avoir de la voix et tout. Mais quand tu comprends qu'il y a personne et que tout, tu peux tout couper au montage, genre, après, tu t'en bats les steaks, tu vois. Allez, vas-y. Et là, je dis, allez, là, sur Instagram. C'est ridicule. Quand je veux parler de toi, il y a juste une critique qui sort de ma tête. Tu vois, t'es mon ami, mais critique-moi. Vas-y. Non, j'ai plus rien à critiquer. Non, on va faire une vidéo où je vais la critiquer. J'ai partagé un mois et demi avec elle. J'en ai des choses à dire. Ah ouais. Mais toi aussi, t'en as des choses à dire sur moi. C'est quoi mon pire défaut, genre? T'es comme ça, toi, tu vois. Elle, c'est le contraire, genre. Tu sais que la meuf dans mon taf, elle croyait que moi j'étais grave pisse. Bah, je suis en direct, t'es no stress, t'es tranquille et tout. Ah bah putain, ça crème même là-dedans. Inès, elle lui a dit, bah t'aurais dû aller en Italie avec elle. Hein.
Pour Inès en Italie, t'étais. Non, pour Inès en Italie, j'étais comme toi, tu me voyais. Genre. Ah non, t'as pas, connu, t'as pas connu les États-Unis alors. Non, mais attends, je raconte un truc. Le deuxième jour des vacances au Mexique, on est sur la plage. Elle me dit. Non, là, faut que je te dise un truc, vraiment, je me sens pas bien. Je stresse vraiment pour les vacances. Je me dis, mais là, alors que ça faisait deux jours qu'on était là, genre tranquille, tu vois. Non, là, là, il n'y a rien qui a été programmé. Là, on n'est pas organisé, ça m'énerve. On sait pas ce qu'on va faire demain. On sait pas où on va aller, nanana. Moi, j'aimerais que tu prennes plus d'initiatives au bout du deuxième jour, genre. De toute façon, même après que je te l'ai dit, t'as pas non plus pris beaucoup plus d'initiatives. J'ai trouvé le musée of Dreams Space à Los Angeles. Ah oui, le dernier jour des vacances. Oui, elle a trouvé ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle a trouvé ça. D'accord, une activité, soit dit en passant, super chère. En plus, c'est toi qui l'as payé en plus cette activité, c'était pas moi. Ouais. D'ailleurs, mais j'avoue qu'elle était bien. Elle était grave bien. J'avoue qu'elle était En plus, j'ai même pas pu faire de photos parce que j'étais trop moche. J'avoue qu'elle était bien. Bref. Bref, donc vraiment, on est en train de s'étaler alors que ça sera une autre vidéo. Ça sera une autre vidéo. Je vous préviens, on va pas s'en prier. Un petit spoil de ce qu'on a fait. Ouais. Et tu noteras aussi mes défauts parce que même moi je parle ferme. Bah vas-y, tu sais quoi? Bah c'est grave des défauts. Ok, même, pour la vidéo, toi tu vas faire une liste de mes défauts et moi je vais faire une liste de tes défauts. Je sais même pas comment les qualifier, tes défauts, c'est. Elle fait trop la meuf. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, à vous abonner à mon compte Instagram. On vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. On vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur notre voyage. On raconte comment l'a préparé, le budget qu'on a fait et comment ça s'est passé entre nous. D'accord. Ouais, ah, ça quand c'est. Quand tu voyages avec ta pote, ça se passe pas. Ouais, là, croyez pas que. Il y a eu des petits clashs. Non, ouais, c'est vrai. À un moment donné, ça a été hard. Tous les jours, il y avait des petites embrouilles. Moi, j'oublie, hein. Moi, j'oublie, je suis rentrée. Moi aussi, j'oublie. En vrai, tous les jours, on s'embrouille, hein. Ouais, mais c'était de la merde, genre. C'était de la merde. Mais il y a eu deux fois où. Elle me foutait l'aile, hein. Elle, tu sais quoi, je mets une case et tu. Je vais partir, je pars. Oh, mais attends, j'ai droit à une pause.